الحمد لله يا رب العالمين. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Mettez les cœurs, chers frères. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, je vais m'adresser à ceux qui aujourd'hui ont commencé à s'attaquer au président Ouattara. Parce que selon eux, il a reçu ceux qui ont fait un coup d'État au Gabon. Chers frères et sœurs, vous voyez, voilà pourquoi je dis. Parce que. Il y a des. Je parle de ça parce que dans la logique, Drissa Traoré, salut à toi depuis ta position. Il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, mais Zulu de Bogota, même pas les opposants, hein, des militants du RHDP m'appellent pour me dire, ah, Zulu de Bogota, mais qu'est-ce qu'il y a? Le vieux père a reçu les gars qui ont fait le coup d'État au Gabon. Chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit. On ne fait pas la politique avec l'émotion. On ne fait pas la politique en se basant sur ce que des menteurs viennent vous dire. Il y a des réalités qui sont là. Il y a des faits qui sont là. Chers frères et sœurs, ceux qui ont fait le coup d'État au Gabon, là, c'est lui qui allait croiser le président Ouattara. Mais, chers frères et sœurs, même si quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut parler avec la personne. Ils ont fait un coup d'État. Ils sont invités quelque part où le président Ouattara se trouve. Ils disent qu'ils veulent aller parler avec le président. Mais c'est bien normal qu'ils les reçoivent et puis leur donner des conseils. Mais quel conseil il peut leur donner? C'est encore les mêmes qui disent que le président Ouattara veut s'imposer dans l'affaire des gens. Aïe. Vous dites qu'il veut s'imposer dans l'affaire des gens. Vous dites qu'il y a eu coup d'État au Mali, il voulait parler dedans. Il a eu coup d'État en Guinée, il voulait parler dedans. Qu'il y a eu coup d'État au Niger, il veut parler dedans. Maintenant, il y a eu coup d'État au Gabon, il n'a pas parlé. C'est ceux-là même qui ont fait le coup d'État au Gabon, là, qui sont allés vous le voir. Parce qu'ils veulent avoir des conseils de lui. Les mêmes conseils qu'il a donné à ceux qui ont fait le coup d'État en Guinée. Les mêmes conseils qu'il a donné à ceux qui ont fait le coup d'État au Mali. Pour leur dire, vous avez fait un coup d'État, ce n'est pas normal. Mais ce que nous on peut vous demander, c'est de faire en sorte d'organiser les élections pour que le peuple fasse son choix. Vous dites non, le président Ouattara a parlé dedans. Maintenant, ce qui s'est passé au Gabon, il n'a pas parlé dedans. Il s'est assis. Ceux-mêmes qui ont fait le coup d'État au Gabon, là, sont allés lui demander conseil. Mais de vous à moi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Faut pas, il va les recevoir. Il n'a qu'à leur dire non, je ne parle pas dedans. Non! Il va les appeler pour leur dire le conseil que moi je peux vous donner. Vous devez faire un coup d'État. Je ne peux pas m'intromettre dans la vie du Gabon. Mais ce que je peux vous demander, organisez les élections pour que le peuple fasse son choix. Ils prennent ça, les nalomans, les illettrés là, ils prennent ça, ils déposent ça, et puis ils veulent s'attaquer au président Ouattara. Chers frères et sœurs, nous n'accepterons pas. Oui. Bedelzie, salut à toi. Fila Ouma de Fila, salut à toi. Massarangé Bérété, salut à toi, ma très chère petite sœur, j'espère que tu vas bien. Fatou Ekman, salut à toi depuis ta position. Faf Clone, salut à toi. Donc, c'est là que je vous dis à chaque fois que ceux-là aujourd'hui, là, qui veulent se présenter comme des choses, chers frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Dis non,
Le président Ouattara doit pas se présenter parce que il doit sortir par la grande porte. Faut pas, il va faire ça. Faut pas, il va faire ça. Mon frère, toi qui demandes au président Ouattara de ne pas se présenter en 2025 là, tu n'es pas militant de RHDP. Toi qui demandes au président Ouattara de ne pas se présenter en 2025 là, tu ne l'as jamais aimé. Parce que tu te bases sur quoi pour dire faut pas, il va se présenter. Tu te bases sur quoi? Parce que pour demander au président Ouattara de ne pas se présenter, c'est que c'est la constitution qui l'empêche. Mais je n'ai pas parlé d'une autre constitution. Hein. Je n'ai pas parlé d'une autre. Mais la constitution que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui donne le plein droit au président Ouattara de se présenter en 2025. Il n'y a pas de débat dedans. J'ai dit, je n'ai pas parlé d'une autre constitution. La constitution que la Côte d'Ivoire a actuellement. Celui qui dit que le président Ouattara doit se retirer, il ne doit pas se présenter là. C'est qu'en réalité, là, la candidature du président Ouattara, là, tu n'as pas aimé ça en 2020. Parce que tu te bases sur quoi pour dire qu'il ne doit pas se présenter? Non, tu te bases sur quoi? Non, le président Ouattara ne doit pas se présenter en 2025 parce que le président Ouattara doit sortir par la grande porte. Le président Ouattara doit faire comme ça. Tu te bases sur quoi? Le président Ouattara se base sur la constitution ivoirienne pour déposer sa candidature. Arrêtez de foutre la merde aux gens. Arrêtez d'être hypocrite. Est-ce que toi, tu as un carnet clinique du président Ouattara qui te dit qu'il ne doit pas se présenter? Ça dit que c'est des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui sont cachés dans l'ombre. Tu te bases sur quoi? Moi, le Zoulou de Bogota, pour que je demande au président Ouattara de ne pas se présenter, je le ferai en base de la constitution. Quand je sais que la constitution ivoirienne l'empêche de se présenter, je lui dis, mon président, ne te présente pas. Parce que la constitution ne te permet pas. Venez me dire que Zoulou de Bogota, la constitution ivoirienne, là, empêche le président Ouattara de se présenter. Celui qui dit en 2025, c'est-à-dire le militant du RHDP, celui qui dit que lui il a aimé le président Ouattara en 2020, là. Si en 2025 tu viens dire que le président Ouattara ne doit pas se présenter, c'est qu'on a compris qu'en 2020, là, tu ne voulais pas qu'il se présente. C'est qu'en 2020, là, tu ne voulais pas qu'il se présente. Faut pas, on va se mentir. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Il y a d'autres même qui ne sont pas tapis dans l'ombre. Il y a des gens qui font semblant d'être avec nous, mais ils sont pas avec nous. Vous n'avez pas affaire à des illettrés. Hein? Donc quand le président Ouattara croise ceux qui ont fait un coup d'état au Gabon, le président Ouattara pose un bon acte. Regardez, c'est là que vous allez comprendre l'hypocrisie. C'est là que vous allez comprendre l'hypocrisie de l'opposition. Ils disent que le président Ouattara, ils n'aiment pas le président Ouattara parce que il veut parler dans la gestion du Mali. Il n'aime pas le président Ouattara parce qu'il parle dans la gestion de la Guinée. Il n'aime pas le président Ouattara parce que le coup d'état qui s'est passé au Nigeria, au Niger, là, le président Ouattara a parlé dedans. Ok, on a compris. Donc ça veut dire que s'il ne parle pas, c'est parce qu'il a parlé que vous ne l'aimez pas. Donc s'il ne parle pas, c'est bon, on a compris. Ça veut dire que s'il parle, vous n'aimez pas qu'il parle dedans. Ça veut dire que s'il ne parle pas, vous êtes d'accord avec lui. Ok, on a compris. Maintenant, problème de Gabon, là, il n'a pas parlé dedans. Il n'a pas demandé à des militaires d'aller intervenir au Gabon. Bon, maintenant, vous, là, vous avez soutenu ce qui s'est passé au Gabon. Maintenant, si le président Ouattara a reçu ceux qui ont fait le coup d'état au Gabon, vous devez l'applaudir. Vous devez l'applaudir. Mais pourquoi maintenant vous dites que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon?
Pourquoi vous prenez ça maintenant pour mettre ça contre lui? Chers frères et sœurs, il y a des réalités qui sont là. Bogota, c'est ce que je fais, j'ouvre mes yeux. Moi, le Zoulou de Bogota, j'ouvre mes yeux. Moi, le Zoulou de Bogota, je ne juge pas les gens. C'est pas parce que tu t'es levé, tu es parti dans une manifestation du RHDP que moi, je vais te juger que tu aimes le président Ouattara. Non, 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 pour moi, là, ce n'est pas comme ça. Moi, c'était dit. Moi, quand tu parles, j'analyse. J'ai dit, mais qu'est-ce que la personne veut dire? Oui. C'est ce que j'ai dit. Le problème du président Ouattara, là, on ne va jamais forcer quelqu'un de soutenir le président Ouattara. Jamais. On ne va jamais obliger quelqu'un d'aimer le président Ouattara. Ceux qui sont dans leurs histoires de trucs, comment on appelle, le président Ouattara doit partir parce que non, il va sortir par la grande porte. Moi-même, je suis pas d'accord pour qu'il dépose sa candidature. Mon cher, ça c'est vous votre problème. Oui. Ça c'est vous votre problème. Ça là, c'est votre problème. Nous, on n'est pas dedans. Voilà. C'est pas un problème. Si le président Ouattara dépose sa candidature en 2025, que toi, tu n'es pas d'accord, on ne t'oblige pas de venir aimer le président Ouattara, de venir le voter. Ah oui, oui. On n'oblige personne de venir le voter. Mais personne ne pourra venir s'arrêter devant nous pour nous dire que le président Ouattara ne doit pas déposer sa candidature. Je le dis haut et fort. Moi, si on me pose la question, si quelqu'un me pose la question, la première fois, tu me poses la question. Zoulou de Bogota, le candidat du RHDP en 2025, c'est qui? J'ai dit le président Ouattara. Il me pose encore la question pour la deuxième fois. J'ai dit le président Ouattara. Troisième fois, le président Ouattara. Quatrième fois, le président Ouattara. Le président Ouattara jusqu'à l'infini. Le président Ouattara jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de débat dans ça. Excusez-moi. Allô? Allô? Mmh. Allez. Oui. Mmh. Ok. Vous avez compris? Ça là, il n'y a pas de débat dedans. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de débat dedans. Le président Ouattara jusqu'à l'infini. Oui. Le président Ouattara jusqu'à l'infini. Allô? Ni direct l'olé là. Tu dis que tu es en train de descendre, non? Ah. Mine? Mamie? J'ai compris, il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Hein? Donc ne venez pas nous emmerder ici. Le président Ouattara est notre candidat jusqu'à l'infini. Pour moi, le Zoulou de Bogota, l'acte que le président Ouattara pose, je n'ai rien à contester. Oui, moi, politiquement, le président Ouattara, c'est mon Dieu sur terre. Quand le président Ouattara dit c'est A, moi c'est A. S'il dit c'est B, c'est B. Oui, il n'y a pas de débat dedans. Donc, vos conneries que vous êtes en train de raconter là, ça, c'est pas nous notre problème. Vos conneries que vous racontez, c'est pas notre problème. Chers frères et sœurs, je vais devoir vous laisser. Parce que je dois faire quelque chose. On va faire les coups de vidéo maintenant, on ne va pas durer. Voilà, je vous remercie depuis vos positions. Que Dieu veille sur vous.